Bonsoir. Alors c'est solidaire d'abord, mais voilà, il commence déjà à me taquiner. Oui, alors c'est la dernière émission sans doute avant Noël. Hein. Voilà, on va essayer de partir sur une nouvelle année dans la joie et la bonne humeur. Alors c'est vrai que ce soir au sommaire, on va à la fois parler de l'Ukraine un tout petit peu parce que on nous explique plein de choses sur l'Ukraine. Il nous semble qu'on parle jamais vraiment de ce qui s'y passe. On va vous parler des emprunts d'État. Alors ça, c'est Denis qui a sorti un truc là-dessus. On va essayer de développer ça. Des boucles libérales, boucles démocratiques, boucles sociales et tout ce que ça entraîne. On va parler de la concurrence et des marchés. On va parler de la retraite parce que, ben oui, le calendrier va peut-être changer. On va parler de corruption. Voilà, comme très souvent, on parle de corruption. Corruption à tous les étages, les entreprises, les hommes politiques et les femmes politiques, enfin bon, etc. Et on va parler du quiz. Du quiz. Hein ? Tu oui. parleras du quiz. Et en 25 minutes. Hein. En 25 minutes, tout ça, mais parce qu'on est très très fort. Et grâce à Fréquence 7. Hein, voilà. Alors bon, les émissions précédentes, récemment, on a fait des émissions sur le chômage, sur la retraite. On a fait une petite actualité sur l'eau et sur les bassines, hein, je sais pas si vous vous souvenez. On a fait référence à des émissions, à une émission d'Arte, Les Idées Larges, et à un site qui s'appelle Contre-Attaque, et qui montre que l'État est au service du capital et du CAC 40. Voilà. Bon, donc voilà, c'est un petit peu ça. Et nous, aujourd'hui, on continue, on essaye d'aller un petit peu plus loin sur ces émissions qui essayent de décoder un peu des choses sur la façon dont on nous mange, parce qu'on a l'impression qu'on nous mange. Alors, il y a une émission avec une émission anglaise hein, que tu nous as fait voir, Denis, qui s'appelle Grow My Economy. Non, le nom est anglais, c'est tout. Il n'y a que le nom. Est anglais. Parce qu'après, c'est en français. Hein. Oui. C'est... Ouais. Et puis c'est traité avec humour. Ouais. Il y a beaucoup de jeux de mots dans l'émission. Ouais. Mais bon, ça n'empêche pas de passer les messages. C'est quand même un scandale à 15 milliards d'euros. Hein. Oui. Voilà. Bah oui. Voilà, c'est complètement fou. Dans cette vidéo, il y a un récapitulatif sur tous les emprunts d'État depuis, en gros, 2015, par rapport au fait que Macron a été ministre de l'économie en 2014 et qu'à partir de ce moment-là, on part sur des emprunts qui deviennent de plus en plus à risque. Oui, et puis il ne faut pas se faire l'illusion. Hein, on vit à crédit. Hein. En France, on vit à crédit depuis des années. Ouais. Et là, avec le quoi qu'il en coûte, ça a été encore pire. Il ne faut pas oublier qu'on a à peu près entre 17 et 14 milliards d'euros de déficit commercial chaque mois. Donc il ne faut pas se faire d'illusion, hein. On vit à crédit. Oui, et on ne sait pas comment on va... un jour, ils vont nous présenter la note, je ne sais pas comment ça fera. Enfin bon, bref. En tout cas, là... Ce qu'on risque, c'est que c'est le FMI qui nous mette le capet dessus, quoi. Alors là, c'est le FMI, ils ont fait 25% de salaire en moins en Grèce, hein, quand ils sont mêlés de la Grèce. Donc voilà, ce qui nous parle, on est... Ouais, je sais pas, c'est peut-être pas une économie tout à fait comparable au niveau de l'échelle, hein, c'est-à-dire que nous on a une économie beaucoup plus grosse que celle de l'Europe, de la Grèce, c'est ce qu'on nous mettait en avant à un moment. Là, en tout cas, sur ton émission, sur cette vidéo là qui parle de ça, Grow My Economy, DRAW pour ceux qui disent que je prononce mal l'anglais, ce qui est vrai. On se rend compte qu'on fait des emprunts depuis 2014-2015, c'était des emprunts à 0% parce que l'inflation était à 0%. Mais Macron, en fait ces emprunts étaient indexés. Voilà. Ils sont indexés sur l'inflation. Mais maintenant, depuis, parce que jusqu'à 2015, c'était des emprunts à 0%.
Carrément. Ouais. Mais en 2015, Macron joue parce que comme l'inflation était même négative, alors ça pouvait être intéressant. Et donc au départ, on se dit même que c'est bien quand il fait ses emprunts d'État à moins de 0%, en fait. Et puis maintenant, on se retrouve avec une inflation qui commence à devenir galopante. Et ben, ils continuent à faire la même chose. C'est-à-dire que les emprunts, ils cherchent pas à les sortir de l'inflation. La règle demeure. La règle demeure. Et donc, Bruno Le Maire, quand même, nous explique que c'est pour assurer la rentabilité des banques et des assurances. Oui, on sait jamais, un peu cher. Et donc, voilà. Alors, ce que vous saviez pas, c'est que, en payant nos impôts, en fait, quelque part, on est en train d'assurer la rentabilité des banques et des assurances. Il y a un lien très fort entre l'État et la banque aussi. Hein, voilà. Les économies que l'on a en banque, hein, elles sont garanties par l'État. Jusqu'à 100 000 euros par personne. Ouais. Donc, ça fait des sous. Hein, ça fait des sous. Alors, tout le monde n'a pas 100 000 euros d'épargne. Hein. Mais disons, ça représente de l'argent. Et ça représente tellement d'argent que s'il y avait vraiment un krach boursier, un krach de nos banques, l'État est complètement incapable de répondre à cette garantie qu'il applique, qui promet. Et dernièrement, l'Union européenne voudrait que, parce que la France est une exception pour les prêts à l'immobilier, on va dire, c'est les taux fixes. Et l'Union européenne voudrait que la France fasse comme d'autres pays, passe les emprunts à taux variable, ceux qui suivent l'inflation. Donc voilà, c'est l'Europe. Alors ouais. Bon, est-ce que le gouvernement, les banques sont pas chaudes, hein, ils préfèrent garder leur système, mais est-ce que le gouvernement va dire amen, et est-ce que les prochains qui vont emprunter sont à taux variable? Ça a été une catastrophe dans les années 70, le taux variable. Ça existait dans les années 70. Et il y a eu une grosse inflation, ça a été une catastrophe. Maintenant, les États-Unis, ben oui, les États-Unis, c'est ce qui a planté l'économie américaine à un moment donné. Hein. Les taux sont montés et les Américains ne pouvaient plus se loger, plus payer leur crédit. 2008, là c'est la crise de 2008 à quoi tu fais référence. Et donc là, pour l'instant, on se retrouve quand même avec deux sortes d'emprunts en France, hein, d'État, des emprunts d'État. Un à au taux français de 7%, puisque l'inflation est à 7% en France, mais un à 11%, parce que c'est un emprunt européen et que l'Europe, elle prête à 11%, puisque l'inflation européenne est à 11%. Bravo Macron! Enfin bon, voilà. C'est manqué. Piqûre de rappel, l'État au service du capital. La révolution de 1789, dans l'émission en question, Draw My Economy, dedans, il disait que, depuis 1789, normalement, il y avait une révolution, ça servait à contrôler le budget de l'État, hein, pour le peuple. Oui. Pas contre le peuple. Oui, ben là on le voit en ce moment. Hein. Oui. On est au 9e 49-3, on voit que l'économie, voilà, ça veut gérer, pas de souci. Hein. Ouais, pas de problème. On voit qu'il y a beaucoup de démocratie. Il gère. Ouais. Et que le peuple, disons, a vraiment son mot à dire dans la gestion des fonds d'État. Alors, gestion, voilà. Alors, on parle des boucles vertueuses ou pas vertueuses. Alors, la boucle actuelle dans laquelle on est, hein, concurrence libre et non faussée, donc moins d'État. Quoique, après, quand il y a besoin de mettre des rustines, Macron est là pour essayer de masquer un petit peu tout ce qui est en train de se passer. Ça amène des produits que l'on importe, d'économies où la main-d'œuvre est moins chère, c'est-à-dire de pays dans lesquels, en fait, la variable d'ajustement, c'est la main-d'œuvre. Et donc, nous, on n'est pas à la hauteur. Hein. Alors forcément, la mondialisation, elle a amené ça. Résultat, nous, dans ce pays où on est sur la concurrence libre et non faussée, ben on fait pas le poids. Et résultat, on ferme les entreprises et tout ça. C'est un jeu de bonneteau à la bourse parce que au passage, évidemment, il y a les actionnaires. On ferme les entreprises, on les vend. Et voilà. Et ça fait du pognon. Oui, mais après, on dit qu'on pollue pas. On fait moins de carbone en France. Mais oui, mais on pollue indirectement. On pollue chez les autres. Voilà. Oui, et puis en plus, il faut rappeler que en Chine, par exemple, il y a 6 millions de gosses qui bossent. Hein. Oui, voilà. Donc 6 millions de gosses, c'est pour ça que si on fait bosser nos gosses aussi en maternelle, il n'y a pas de problème, on sera compétitif. Oui, mais c'est-à-dire c'est à distance. On les voit pas, tu comprends, ces enfants qui travaillent. Et alors on nous le dit, peut-être c'est vrai que de mon t-shirt, il a été fait par un gamin. Bon, non, j'y crois pas. Et puis voilà, c'est bon. Bah, si on parle de la Chine avec les Ouïghours, alors là on tape dans l'eau du panier, soi-disant, pour les conformer au régime. On les, voilà, c'est...
En tout cas, la main invisible du marché, voilà ce qu'elle régule. Ce qu'elle régule, c'est le fait qu'on ferme nos entreprises, qu'on est complètement dépendant, qu'on n'est plus capable de produire des masques ou de produire des vaccins, même, hein, par exemple. Tu parlais de Sanofi, par exemple. Mais bon, voilà, on n'a même plus des laboratoires à la hauteur pour produire des vaccins à temps. Alors, ils en ont produit un 2 ans plus tard, hein, mais bon, voilà, on est comme qui dirait un petit peu en retard quand même. Ils sont en grève, Sanofi, en ce moment. Hein, ouais. Les ouvriers de Sanofi sont en grève. Ouais. C'est-à-dire ces laboratoires, par exemple, il y a de moins en moins de chercheurs puisqu'ils veulent satisfaire de plus en plus les actionnaires. Hein. Ouais. Forcément, ça devient très compliqué. Si on n'a plus de chercheurs, si on n'a plus les têtes pensantes, disons, dans une entreprise, hein, si on veut satisfaire uniquement les dividendes annuels, eh bien voilà, Sanofi. Parce qu'en plus, c'est un raisonnement à courte vue puisque... Quand même, si on engage des recherches, normalement, on va trouver des choses quand même à un moment. Hein. Et donc ça pourra être monnayé. Mais non, eux, ils veulent passer à la caisse tout de suite. C'est-à-dire, c'est une loi de marché. Il faut toujours faire très vite. Hein. On est dans une société d'excité. Hein. Il faut, disons, que les choses soient rentables avant d'avoir été trouvées. Quoi. Donc il y a quand même un minimum de savoir prendre le temps. Alors autrefois, je suis pas en train de dire que c'était forcément beaucoup beaucoup mieux, mais bon, il y avait une autre boucle hein, qui se passait parce que il y avait des quotas d'importation, il y avait une protection réfléchie aux frontières, etc. Il y avait donc plus d'intervention de l'État. Pas de l'intervention de l'État après, comme Macron quand il met une rustine et quand il donne une petite aumône pour arriver à boucher un trou. Non, une intervention avant, c'est-à-dire que on définissait qu'est-ce que c'était un produit valable qui pouvait être échangé, etc. Donc avec de l'éthique aussi hein, par rapport à ce que tu dis Alain, hein, c'est-à-dire que ça pouvait pas être des enfants qui produisaient un produit, etc. C'était. Il faut un minimum. Moi, je pense qu'il faut un minimum quand même. Une société qui se respecte, une société qui est une république, disons, où il y a marqué liberté, égalité, fraternité, c'est des valeurs. Hein. Bon, est-ce qu'on peut gérer une entreprise? Est-ce qu'on peut gérer un État n'importe comment? Parce que même les ristournes de Macron dont tu parles, c'est des ristournes qui sont au service souvent du privé. Hein, oui, tout à privé. Fait. Oui, c'est-à-dire que ce sont nos impôts, puisque c'est l'argent public. C'est l'argent public qui sert. Qui va servir. À des entreprises privées. À des entreprises privées. C'est leur modernité, c'est leur concurrence libre et non faussée, c'est-à-dire c'est un mensonge de A jusqu'à Z. Voilà. C'est ça qu'on a essayé de mettre en place en faisant ces émissions juste avant, sur le chômage, sur la retraite, etc. Comment ils arrivent à utiliser l'argent public pour aider les entreprises privées. La faillite du privé-public que nous a mis en avant Sarkozy, hein, en 2005, 2006, 2007, quand il vient au pouvoir, mais déjà quand il était ministre d'État, hein, il nous mettait en avant le privé-public. On se retrouve avec quelque chose qui ne fonctionne absolument pas. Et puis les retours des ministres, enfin des ministres et d'autres, entre le privé et le public, qui font la navette, un coup dans le privé, un coup dans le public, oui. Et qui ramènent leur carnet d'adresses, ça arrange rien à faire. Parles, hein. Là, tu parles de corruption presque, déjà. On est déjà presque là-dedans. Ouais. Et puis l'État est là, disons, pour assurer des services publics. Hein. Il n'est pas là uniquement... pour soutenir des privés, quoi, enfin des entreprises privées. Hein. Bon, que de temps en temps, il y ait des attentions particulières sur des secteurs en difficulté. Pourquoi pas? Il peut être, disons, faire partie d'une tripartie entre l'État, les syndicats, et il peut être présent, disons, autour de la table. Mais il y a quand même, de la part de l'État, la culture, par exemple, ça sera jamais rentable, la santé, ça sera jamais rentable. Ah, oui, non, mais pour eux, non. Ça marche pas comme ça pour eux. Hein. Pour eux, puisque c'est l'intervention à l'acte, tu sais bien, on paye à l'acte à l'hôpital, donc eux, ils sont sur la rentabilité. Oui. On va malheureusement vers un État régalien de plus en plus, c'est-à-dire un État plutôt dans la répression, c'est-à-dire les militaires, la gendarmerie, mais tout le reste n'intéresse pas beaucoup, hein. Pas du tout. Et puis l'inventeur, c'est le petit fou qui est dans son bocal, et on le laisse dans son bocal, quoi. Hein, et donc il est pas rentable. Donc là, on est dans un truc. Alors, les Américains, eux, ont quand même des frontières, privilégient. Donc, par exemple, la différence entre l'économie américaine et l'économie française, c'est que Américains. Ils se protègent plus. Hein, ils protègent. C'est un protectionnisme. Mais c'est un protectionnisme dirigé
aux entreprises américaines. Nous, on peut avoir un protectionnisme presque, enfin, une aide de l'État, mais aux entreprises, quelles qu'elles soient. Voilà, on va donner des sous à ArcelorMittal, par exemple. Oui, puis on crée une concurrence, disons, entre les travailleurs, par exemple, de l'Europe, par rapport, par exemple, aux travailleurs des pays de l'Est de l'Europe. On crée des concurrences. Ouais. Et Macron est allé quand même aux USA pour discuter, pour lui expliquer que quand même il faudrait arrêter un peu les interventions financières justement de l'État américain pour aider les entreprises américaines. Il trouve que là c'est pas normal, c'est pas la concurrence libre et non faussée. Alors, tu comprends bien que les USA vont tout de suite se mettre. Il a raison Macron bien sûr. Oui, oui. Voilà. C'est sûr que ils vont tout changer. Ils ont été polis, ils l'ont écouté. Voilà. Alors que pendant ce temps-là, on aurait tellement de choses à faire, se reconvertir au niveau de l'énergie, par exemple, hein. Toutes les reconversions qu'on pourrait avoir sur le photovoltaïque, sur tout ce qu'on veut, mais sur aussi l'isolation, etc. On voit bien qu'on a quand même un petit train de retard, hein. Le redéploiement énergétique, pensée globale, c'est-à-dire là, on va se rendre compte qu'on va avoir vite un problème avec l'électricité. Puisqu'on va avoir beaucoup de voitures électriques, comment on va fournir cette électricité ? Mais rapidement, hein, puisqu'on risque des coupures, enfin des délestages. Mmh. C'est pas coupure, on déleste. Les délestages de courant, ça nous pas au nez. Alors ils vont le faire par région, par quartier, je sais pas. Mais bon, 2 heures soi-disant. Mais c'est déjà, on va avoir des problèmes sans les voitures électriques, sans rien comme ça. Malgré que les Français baissent un peu leur consommation, malgré qu'ils vont couper le courant sur certaines usines, on risque encore quand même des délestages. Donc parlons pas même pas des voitures électriques ou que ce soit. Rien que ce qu'on a actuellement, ça suffit pas. On peut même se poser des questions, parce que, par exemple, la plupart des gens aujourd'hui ont des pompes à chaleur. L'État a incité les gens à avoir des pompes à chaleur. Si on coupe une pompe à chaleur pendant 2 heures, donc du moment où ils vont remettre l'électricité, il va y avoir un rattrapage massif. Au départ, ça va... Alors, je ne sais même pas si vraiment il va y avoir un gain, parce que toutes les pompes vont se mettre en route. Quoi. Enfin, moi, ça me paraît quand même très curieux. Quoi. Même pas que les pompes à chaleur, tout le système va se remettre en route ça va faire un coup de... Ça va nous disjoncter, quoi, c'est pas possible. Alors moi, je pense qu'on veut faire peur aussi. Il y a quand même un gouvernement qui cherche à faire peur. Hein. Oui, et puis Macron qui est en train de dire, mais non, pas du tout, on ne veut pas vous faire peur, on veut pas vous faire peur, on va pas couper, hein. On va pas couper. La peur, c'est une manière aussi de gouverner, et puis c'est une manière de posséder, de dominer l'autre. Bon, alors tout ça, c'est aussi parce que il y a cette concurrence mondialisée, hein, c'est-à-dire que on se retrouve absolument plus en capacité de gérer ni ce qu'on consomme, ni ce qu'on produit, rien quoi. Et alors qu'autrefois... On ne sait même plus qui est vraiment directeur ou patron d'une entreprise aujourd'hui. C'est ça devient très compliqué. À part Total Energy, par exemple. Total Energy, on connaît Perronnet, mais disons, il doit y avoir plein d'autres gars autour qu'on ne connaît pas. Mais bon, c'est vrai que c'est autrefois, il y avait une concurrence de proximité, c'est-à-dire ça se passait à l'échelle franco-français, où ça se passait à l'échelle européenne, mais ça voulait dire que là, sur tout ce qui concerne l'éthique, tout ce qui concerne la pollution, etc., il y avait des normes, il y avait des choses qui pouvaient être normées, qui pouvaient être regardées, qui pouvaient être contrôlées. À l'heure actuelle, évidemment, un truc qui est produit en Inde ou un truc qui est produit en Chine, on ne peut absolument pas le contrôler. Hein. Ou en Afrique. Alors, comme tu disais, toi, Denis, en Afrique, où ceux-là, c'est ceux qu'on a exploités, mais alors, eux, on les presse jusque... Depuis qu'on a colonisé l'Afrique, donc, ça a commencé par l'esclavage, on a pillé après leur bois, suivant l'évolution avec l'évolution de la civilisation, on les a vraiment rançonnés, et maintenant, c'est Poutine, avec le groupe Wagner, où les Chinois, tout doucement, qui rachètent l'Afrique, hein, il faut pas se faire de lion. Les Européens partent de l'Afrique parce que on les fait partir pour d'autres. Hein, ils sont toujours dans la même situation. Hein. Alors tu viens sur Wagner. Bon. Hein. Ben, attends, on avait dit que donc on parlerait un petit peu de l'Ukraine et on parlerait entre autres du groupe Wagner, hein, qui est une entreprise mercenaire qui est informellement liée au Kremlin, dont le prix
propriétaire dirige aussi des sociétés d'extraction comme Lobay Invest. Donc ça, c'est des sociétés d'extraction de minerais. Et donc, ils sévissent avec le groupe Wagner presque en employé du groupe Wagner, qui lui, va dans un pays et puis tue tout ce qui bouge, tout ce qui les empêche d'être là. Ils envahissent et après, on se retrouve avec des entreprises qui viennent acheter ou racheter le sol, ou etc. Et donc, ils le font en Afrique, au Mozambique, à Madagascar, en République centrafricaine, au Mali. On voit bien que d'ailleurs au Mali, dans un premier temps, ils ont réussi à foutre dehors les Français. Je suis pas en train de dire qu'ils avaient tort, hein, parce que je sais pas exactement ce que faisaient les Français là, hein, parce qu'on sait bien qu'il y avait quelque chose par rapport au nucléaire, par exemple, à l'uranium. Oui, après, c'est toujours des dessous. Hein. C'est, au départ, c'était pour lutter contre Daesh et... Ah, mais ça, c'est ce qu'ils disaient. C'était voilà. Le truc officiel. Ah, mais tu le crois, toi, le truc officiel? Non, après, voilà, est-ce qu'il y a une idée derrière la tête qui... Voilà, est-ce qu'il y a d'autres raisons plus diplomatiques ou plus voilà. En tout cas, on avait dit qu'on parlerait un petit peu de l'Ukraine, et donc en Ukraine, il y a du lithium, il y a du graphite, il y a du titane, il y a du nickel, il y a du palladium, il y a des terres rares, et tout ça, une fois que on va dire que ça a été désherbé par Wagner, ça peut être racheté par les entreprises russes. Hein. Oui, et puis les Russes, s'ils sont là-bas, c'est pas pour rien. Et puis c'est le Sud qui est très riche en minerais, donc voilà. Ouais, il y a une opposition quand même. Je crois que ça intéresse tout le monde, hein. Ouais. Ça intéresse les Russes, ça intéresse les Européens, ça intéresse les États-Unis. Hein. En fait, quand on est pauvre, si on a la malchance, disons, d'avoir un sous-sol avec certaines richesses, on est très mal barré. Il vaut mieux être vraiment très pauvre, hein, et de rien avoir en sous-sol, parce que sinon, il y a des gens qui s'intéressent à nous. Maros Sefcovic, alors excusez-moi toujours pour la prononciation, je ne sais pas exactement, c'est un commissaire européen. Il a rappelé à l'occasion d'un raout de l'Union européenne que le partenariat qu'il y aura avec l'Ukraine, qui pourra mieux intégrer l'Union européenne, parce qu'il représente un élément essentiel pour consolider notre approvisionnement en matières premières. Voilà. Tout est dit. Voilà. Donc, ne croyez pas que le gentil européen vole au secours de l'affreux Zelensky comme ça gratuitement. Non, c'est pour récupérer les matières premières. Et il y a de très belles conclusions dans cet article. Tu fais référence en fait à un article de reporter. Un article de reporter, oui. Et une très belle conclusion. Une fois la guerre terminée, les Ukrainiens n'auront-ils pas la mauvaise surprise de découvrir que pendant qu'ils tentaient de survivre aux assauts et aux bombardements russes, leurs régions ont été vendues aux entreprises minières et gazières. Voilà. Donc c'est un scandale ce qui se passe en Ukraine, mais c'est pas nous les gentils, hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, ton quiz, Denis. Alors, le quiz que j'avais posé il y a 15 jours, j'ai trois formes de vie, donc je parlais de l'eau. J'ai trois formes de vie, donc l'eau, la vapeur, enfin les nuages, et puis la glace. Je peux avoir une force destructrice, évidemment, l'eau, la glace, que ce soit les inondations ou les avalanches. On danse pour moi, c'est la danse de la pluie. Indiens en Amérique du Nord, ils dansent pour la pluie. J'ai une très grande place dans plusieurs religions, c'est l'eau bénite ou l'eau du Gange pour les hindous. Certains voudraient que je sois interplanétaire, oui, parce que c'est le rêve de tous ceux qui veulent conquérir l'espace, de trouver de l'eau sur Mars. Voilà. Ouais. Donc c'était l'eau. Alors l'eau, c'est 70% de la planète qui est recouverte d'eau. Il y a 6 milliards et demi de personnes qui boivent de l'eau potable. 5 milliards 2 qui en bénéficient carrément à domicile comme nous. Il y a 1 milliard 3 qui, pour avoir de l'eau potable, sont obligés de se déplacer au moins 30 minutes. Ah oui, 30 minutes pour aller chercher de l'eau. Ah ouais. Ouais. Il y a 423 millions qui boivent de l'eau non protégée, donc... Il vaut mieux avoir l'estomac bien accroché. Et 159 millions de gens qui boivent de l'eau impropre. Voilà, de l'eau coupée, de l'eau sale, voilà. Après, les nappes phréatiques. Alors, elle se trouve en France, il y a pas mal d'eau en nappe phréatique, on est bien servi. Mais bon, avec les bassines qu'on a parlé l'autre fois, les méga-bassines, on ne sait pas comment ça va finir. Certains, je pense qu'il y a des résurgences qui vont se tarir. Mais enfin, bon, on va voir par la suite. L'eau que nous buvons, 70% de l'eau que nous sortons, c'est pour notre consommation, de ce qui est dans le sol.
Les nappes, ben, elles sont en danger parce qu'avec la pollution, soit des produits chimiques, soit de la pollution de par les excréments des animaux, là, on le voit en Bretagne, ça devient grave, grave. Et puis alors là, le scandale des bouteilles, de l'eau en bouteille, que ce soit toutes les... Il y a une enquête de Agir pour l'environnement qui a fait une enquête, soit Vittel, Cristaline, Evian, Volvic, Perrier, 70% de ces bouteilles sont contaminées par des microplastiques. Voilà, donc il ne faut pas croire qu'en prenant de l'eau en bouteille en plastique, vous êtes obligé de l'eau bien. Ouais. Non, non, il y a des microplastiques dedans, 70% des cas. Et y compris peut-être pour notre eau qui est traitée, hein, il y aura, je pense, des soucis dans les années à venir. Voilà, hein, on le retrouve dans l'alimentation. Malheureusement, hein. et au niveau de notre santé. L'émission est finie, mais on n'a pas eu le temps de parler de corruption. Donc Eva Kaili, vice-présidente de l'Union européenne, l'entreprise Sanofi, Total, enfin, de toute façon, tout. Et alors surtout, cerise sur le gâteau, Ciotti qui vient d'être élu, alors qu'on sait qu'il a trempé la main dans la corruption, exactement comme Fillon, hein, ben, au niveau des attachés, des gens qui ont des postes parlementaires. Enfin bref, à plus. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon Noël.